Fred Bittoun pour Mac Journal 77. Donc je suis à Otis, devant la salle Agora, dans laquelle en fait la municipalité a invité les seniors de la ville, donc pour un repas, le baptisé repas des seniors. Je suis Bernard Cornet, maire d'Otis, et Viviane Didier, qui est la première adjointe. Alors là, vous venez de faire une... profiter de l'occasion de ce repas des seniors, auquel vous avez invité 350 seniors de la ville, pour annoncer quelque chose qui a un petit peu attristé les gens, à savoir que vous aviez arrêté votre mandat de maire d'Otis, après 3 mandats en tant que maire, plus un certain nombre de mandats déjà en tant qu'adjoint, pour aller rejoindre votre famille. Vous avez désigné donc Viviane Didier comme à vous succéder à cette mairie. Donc Viviane, vous êtes depuis longtemps adjointe à Otis, vous connaissez bien le travail et c'est tout naturellement que je prends le, que je relève, que je vais suivre Bernard et prendre sa succession. Beaucoup d'émotions chez vous? Oui, mais je m'y étais préparé depuis un moment. Et j'en avais préparé, enfin, j'en avais parlé avec Viviane. C'était entendu comme ça. J'ai fait un début de mandat. On a traversé une période compliquée, celle du Covid. C'était pas le moment de lâcher au moment du Covid. Hein. Il fallait surmonter cette période-là. Ça a été fait. Viviane, d'ailleurs, s'est beaucoup investie sur cette période. Et puis, nous avons mis en place des projets, nous avons réalisé aussi ces projets. Donc on a un bilan, le bilan de mi-mandat est bon. Il reste à terminer le mandat, c'est en route, les choses se mettent en place. Et j'ai parfaitement confiance, grande confiance en Viviane et dans l'équipe qui l'entoure. Voilà. Donc ce n'est pas une surprise pour elle, c'est pas une surprise pour le grand monde, je pense, parce que depuis quelque temps, il y a pas mal lassitude, mais j'ai moins de dynamisme, je le sens moi-même, que je n'en avais autrefois. Donc il est temps de ne pas s'accrocher à un poste pour lequel j'ai été élu. Je préfère partir avant que la lassitude s'installe et que je ne fasse pas les choses comme il convient. Donc en passant la main à Viviane, qui est plus jeune que moi, je sais que la ville est dans de bonnes mains. Voilà. Donc, c'est tout naturellement que je me suis tourné vers elle. Elle a toute l'expérience voulue, toutes les capacités voulues pour remplir cette fonction à Otis. Et je dirais que ce n'est pas seulement l'expérience. C'est bien, il faut avoir l'expérience. Mais il y a un partage, il y a un partage de valeurs. Parce que la ville, elle fonctionne depuis 1977. Donc depuis 1977, il y a des valeurs dans cette ville. Pour nous, Otis et Otis pour tous, c'est-à-dire on essaie de rassembler le plus possible. Certes, il y a des mécontents, on ne peut pas faire l'unanimité. D'ailleurs, ce n'est pas nécessaire. Mais globalement, nous avons été toujours bien élus. Je pense que ce que nous faisons, ce que l'équipe fait, est apprécié majoritairement. Et en laissant la ville à Viviane et à cette équipe-là, je sais qu'elle suivra le même chemin. Oui. Parce que ce chemin m'intéresse, c'est un chemin de partage, c'est un chemin de respect, c'est un chemin de laïcité, de fraternité. Il y a peu de temps, nous avons installé un arbre qui est l'arbre de la fraternité. C'est, il me semble, l'idée qui devrait dominer lorsqu'on parle d'Otis. C'est une ville fraternelle. Voilà. Je sais que Viviane sera le porter. Donc mon départ, il n'est pas demain, c'est pas demain. Hein. Je pense que dans les mois qui viennent, je ferai la rentrée, etc. Je pense qu'à la fin de l'année 2023, je démissionnerai, parce que c'est comme ça qu'on passe voilà, en et puis, il y aura une élection par l'équipe municipale en place de la nouvelle maire. Donc, je voudrais dire quand même que la soirée c'est important, l'après-midi c'est important, et qu'on a grande confiance en Pascal Buffle, que vous connaissez sans doute, qui est un animateur hors pair, hein, et qui, chaque année, à toutes les occasions, il nous rend un petit service, il nous fait confiance, et je pense, je suis sûr même, que ça continuera comme ça, avec lui et avec Viviane.
Enfin, ce sont des moments d'importance. Alors vous, Viviane, donc vous vous apprêtez à reprendre le flambeau laissé par Bernard. La continuité, donc. La continuité, comme l'a dit Bernard, fraternité, solidarité, humanisme, c'est ce qui a construit l'équipe et on va continuer à la construire de cette façon-là pour les autistoises et les autistois. C'est un... Voilà, je m'y étais préparée. On a une équipe, on est entouré d'une équipe qui est fraternelle aussi et on pourra faire continuer de belles choses tous ensemble avec l'équipe. Merci. Alors bonjour. Je suis avec Ginette. Avec Ginette. Alors Ginette, vous habitez à Autis. Ça fait longtemps que vous habitez à Autis? Très longtemps. Très longtemps, vous ne voulez pas nous dire? Oh, je ne sais pas, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on habite Autis. Combien de temps qu'on habite Autis? Au moins plus de 20 ans. 73. Hein? Depuis 1973. D'accord, ok. Et alors vous vous plaisez tellement. Ça fait 50 ans. D'accord. Et là vous vous plaisez tellement Autis que vous y restez tout le temps. On n'a pas envie de partir. Hein? Et vous avez toujours travaillé à Autis et tout? Ah non, toujours, mais bon, moi je gardais les enfants, alors j'étais à la maison. Ouais. D'accord, ok. Et alors, et vous, qu'est-ce que vous faisiez? C'était quoi votre activité professionnelle? Professionnelle? Je travaillais dans la pré-vente. Dans la pré-vente, d'accord. Dans la pré-vente. D'accord. Dans le dans la société Ronk Xerox. Ah voilà, les appareils. Les photocopieurs. Je dépannais les photocopieurs chez les clients. Voilà. D'accord, ok. Et vous étiez dans la région en fait. Dans la région nord de Paris. D'accord, ok. Et là vous êtes heureux de participer à ces repas des anciens? Ah ben naturellement, comme tous les ans. Comme tous les ans, vous êtes des fidèles. Voilà. Ok. Super, merci. Vous en prie.